Et triche! Et voilà, je triche. Clac! C'est de la grande magie ce qu'il fait, ce monsieur. Effectivement. Effectivement. Nous sommes Allez, c'est arrivés parti. au point où nous devons nous entraîner. Donc je rappelle que je laisse Micha ici, Je suis pas surpris pour la de fin, mais voir pour un petit temps. Hop, là. Et je pense que je peux même là, si je... Bon, en fait, j'aurais dû mettre l'objet sur Rexxar, je pense. Soit sur Rexxar, soit sur le prochain héros que je vais avoir. Mais bon, c'était un peu prématuré de savoir cela. Parce qu'en fait, ouais, effectivement, en faisant des trucs comme ça, là, mon parc épique, après, hop, je me téléporte sur le parc épique, hop, je vais plus loin. Putain, ouais, ça me permet. Attendez. Ah, du coup, ah, ben, je vais essayer un truc. Je vais essayer un truc. Ça permet beaucoup de tricks, cette histoire-là. Bon, il y a un moment, ce qui va pas falloir à appliquer, du coup, parce que je viens de penser à un super truc. Et il faut, dès que je suis niveau 7, il faut que je prenne la charge, là. Ah, bah non, j'ai les trales pour faire le volcan. Pourquoi je pense ça? Bah, parce que je pense déjà, là, dans le marché. Je suis désolé, là, j'explique rien, mais logiquement, ceux qui regardent cette map, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, cette vidéo, plutôt, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est des pros de la map. Ils m'ont vu faire des vidéos, etc., etc. Donc ils savent déjà ce qui va se passer. Attention, ça tourne mal. Ouais, il va bientôt apparaître, le gros, là. Nous sommes arrivés. J'ai une source d'XP intarissable. Elle a quand même deux d'armure, 1800 PV. Presque autant que son papa. Là, bah, je prends la charge, quand même. On sait jamais. Je prends la charge. Voilà. J'ai la petite orbe de lenteur qui passe crème, je vous l'avoue. Elle passe vraiment crème. Les petits porcs épics qui sont plutôt sympathiques. Franchement, t'as eu. Je sais pas où est ce que j'ai créé. Allez, allez, on y va. Alors, je me mets à côté là. Voilà, c'est bon. Ah merde. Ça me bloque. Pourquoi est-ce qu'il bug un peu les unités? Vous remarquerez qu'il ou elle bug un peu. C'est normal d'une certaine manière. Et je vais aller régler ça d'ailleurs. Alors. Attends, si là j'ai géré bien mon truc. Si là, pardon, j'ai bien géré mon truc. Nous sommes arrivés au point Voilà. Il rush sa propre map, ça tourne mal. Pas besoin de le tuer. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des speedruns sur ma map. Nous sommes arrivés. Bon, vas-y, tue ça si tu veux. Voilà. C'est ça que je voulais dire, mes chers amis. Mes chers compatriotes. C'est ça que je voulais dire. Clac. Et c'est pour ça que j'ai. Allez, on y va en rush. Allez, allez, on rush, on rush, on rush. Le bâtiment est déjà peut-être pété, ce qui serait cool. Passe. Bon, j'ai quand même un peu de mal à y croire, hein, mais bon. Suis pas sûr, hein, je suis pas sûr qu'il soit pété. Ça serait bien, mais là, j'ai fait un volcan ici parce qu'il y a un bâtiment. Et j'espère qu'il est pété. Ça m'étonnerait qu'il soit déjà pété, mais bon, on sait jamais. Allez, vas-y. Voilà. Eh non, il est pas pété.
Du coup, je vais faire la charge. J'espère que je ne vais pas être endormi pendant ma charge. Attends, vu que je suis là, avec mon tral, je peux attaquer le bâtiment. Voilà. Allez. Ouais, j'aurais dû continuer mon volcan, mais je me faisais attaquer par bas. Mais là, c'est bon, hein. Voilà. Le marché, c'est fait. Ça, je dois vous avouer qu'avec un seul héros, ça peut être bien compliqué, quand même. Eh, putain, en plus, je suis en train de me dire, là je me fais chier à faire le marché, mais là, c'est pareil, je peux me téléporter, là. Ah ouais, mais non. Mais j'aurais qu'un héros. Donc oui et non. Donc là, normalement, ils ont une attaque KO. Eh oui! J'ai fait un truc. Parce que... pour pas qu'il y ait trop de... Comment dire? De dépendance vis-à-vis des attaques KO. Enfin, on peut finir la map sans avoir d'attaque KO. Mais je me suis dit, tiens, allez. Je vais mettre que toutes les dernières unités des... Des invocations possibles, elles aient une attaque KO. Normalement, je l'ai fait. Hein. J'espère que je n'ai oublié personne. Puis comme ça, c'est sexy, quoi. Ça donne envie de rush les unités, alors que les gens, généralement, ils disent, bon, les unités, on s'en tape. On va prendre les trucs qui font des dégâts. Et regardez, lui aussi, du coup. Elle aussi. Elle aussi, c'est une femme. Voilà. Alors. Moi, ce que je veux faire, c'est un joli volcan. Voilà. Ils sont pas mal du tout, ces petits porcs épiques. Là. Un porc épique. Très rigolo. Très rigolo. Qu'on nourrit cet homme. Attends, j'étais endormi, putain. Bon, je l'ai utilisé maintenant, ça j'aurais peut-être pas dû. J'espère ne pas perdre à cause de ça. Faut l'attaquer régulièrement. Voilà. Bon, de toute façon, là j'ai bientôt ma charge. Putain, vache, ça coûte du mal tous ces trucs là. Non-stop là. Tac. Ça. Allez, je vais faire ma charge. Voilà. Voilà. Normalement, je défonce tout le monde. Je continue à prendre ça, mine de rien. C'était peut-être pas une mauvaise idée. Oh putain, on m'a endormi. Tac, tac. Allez-y. Voilà, allez. Est-ce que les porcs épiques ils attaquent assez loin? Parce que leur porte 550 balles large. Largement. On y est presque. Ça, c'est une étape plus ou moins toujours délicate. Ça dépend énormément de choses. Putain, arrêtez de m'endormir, le porc! Ah, c'est une étape délicate. Alors là, tout seul avec Tral, ça aurait été chaud cacao quand même. J'aurais pu y arriver, hein, mais il aurait fallu que je sois au moins niveau 20. Allez, mon ami. J'ai plus de PV. Ma charge, ils m'ont endormi. Il faut que j'attende qu'il fasse jour. Est-ce qu'on fait un repli stratégique? Tellement d'unités qui attaquent en même temps. Ouais, j'ai bien fait de prendre les bonus de caractéristiques là, finalement, parce que bah,
de mana là. Ça, je vais te donner le l'anneau de la. Il faut plus de mana. Allez, vas-y, on va reculer un peu. On va se planquer. Allez, on se planque. Planquons-nous! Voilà. Je veux pas le battre, ce boss. Aucun intérêt. Allez, c'est parti. On y retourne. On y retourne. Bah, je vais prendre les stats. Hein. Le bolt, ça sera très bien pour tout à l'heure. J'ai déjà la charge disponible. Putain, le cooldown est rapide. Hein. Bon, je vais gagner, hein. je vais pas me faire avoir par cette partie-là, mais c'est difficile, quoi. Bah, après, je dis ça, mais ça m'est déjà arrivé, on était à deux doigts de le tuer, finalement, c'est tout seul buté, là. Mais là, ça va, j'ai un healer. Et là, si j'étais tout seul avec mes divs, bah... Pff. Ah ouais, ça serait chaud. Mais il aurait fallu que j'y spé à mort pour ne pas avoir besoin de heal à ce moment-là. Allez, je prends les objets maintenant. Voilà. Alors là, ce que je me demande, c'est si je fais ma charge. Est-ce que j'ai assez de... Est-ce que c'est possible pour moi de toucher de... en étant là, là-bas? Je ne pense pas. Bon, je suis à quasiment 3000 points de vie. Alors, en fait, pourquoi je préfère la porte épique? Bah, parce que je peux en avoir 3. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je peux en avoir 3 et ça attaque à distance, donc ça... Parce que comme cette map, c'est un shallow... je sais pas comment dire, mais... C'est un espace serré, quoi. Donc, quand tu joues à plusieurs, c'est là que tu vois que le teamwork est très important. Parce que si vous bloquez, bah, tu pourras jamais... Enfin, tu vois, vous allez vous tuer, en fait, malheureusement. Vous allez vous entretuer. Allez, allez! Où les dégâts? Où les dégâts? Ouais, là, il faut que je pense que je vais faire ma charge. Ouais, je vais faire ma charge, je pense. Ah, oh, ça m'autorise, ça touche. Mais bon. On va bien voir ce que ça va. Je sais pas combien de dégâts ça fait ce coup-là. 80 points de dégâts, c'est pas mal. Là, juste à le soigner. Bon, on continue à le soigner. Faut que j'arrive à me caler en bas là. Putain, il y a beaucoup plus de monde. Bon, vous savez quoi?